À gauche, en descendant la nef, la Vierge à l'Enfant Jésus, -21, fin de vie terrestre à l'âge de 70 ans, et la Mère de Jésus de Nazareth. Détail de ce vitrail. La Vierge de Notre-Dame de Lourdes, telle qu'elle apparaît à Lourdes devant Bernadette Soubirous. Elle se présente comme étant l'Immaculée Conception. Détail de ce vitrail. Saint Ambroise, 340-397, est connu en tant qu'écrivain et poète, quasi-fondateur d'hymnes chrétiens et lecteur de Cicéron et des pères grecs, dont il reprend les méthodes d'interprétation allégorique. Détail de ce vitrail. Saint Augustin, 354-430, est le défenseur de l'orthodoxie chrétienne. Il écrit d'innombrables lettres et sermons contre les hérétiques de son temps et de nombreux traités de philosophie et de métaphysique. Détail de ce vitrail. Second vitrail de Saint-Louis.